Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V pour changer. ma première vidéo GTA V, maintenant que j'y pense. Parce que j'ai fait que des vidéos dessus, ouais. Donc pour la présentation de mes garages, la première présentation de mes garages, enfin de mon garage en tout cas. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors là, on a la 2 Codef que j'ai eue gratuite parce que j'étais inscrit sur Rockstar Social Club sur Old Gen. Précisément sur PS3, je vais vous montrer l'intérieur, même s'il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ils sont pas fait chier. Alors, je viens de remarquer un truc, il y a un petit tapis là. Enfin, quand on ouvre la porte, après, on a celle-là que je sais pas ce que c'est. On a la Bravado Buffalo Sprunk. Voilà, c'est un véhicule gratuit aussi. Je la trouve plutôt stylée, c'est pour ça que je l'ai prise. Même que je l'ai jamais utilisée en fait. la Burger Shot, celle-là aussi c'est un véhicule gratuit. Oui, vu que je me suis connecté sur. Bref, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, du coup. Bon, celle-là elle est plutôt stylée. Enfin, j'en voulais une des trois. S'il y en a trois de trucs burger, je sais pas quoi. Je vous montrerai peut-être à la fin. Là, Eligi RH8, voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais sur PS3. Et du coup, j'essaye de la refaire sur PS4. Voilà. Du coup, il n'y a pas grand chose non plus à voir à l'intérieur. Je montre vraiment que certains véhicules. Voilà, c'est ça l'intérieur. J'ai même un petit châssis et tout. Un châssis. Je sais plus. Arceau de sécurité. Après, on a le Blazer Street qui est tout simplement dégueulasse. D'ailleurs, je suis quel niveau? 40. 41. Oh. Il est pas très beau parce que j'ai pas du tout débloqué les customisations. Il faudrait que je sois niveau 60 pour en avoir déjà pas mal. Sur ce quad. Du coup voilà. La première personne ça donne ça. Voilà, c'est pas ouf. Après on a la Manchez, le premier véhicule que j'ai eu sur GTA Online. Ah non, non c'était la 2 Codef. Mais la première moto que j'ai eu sur GTA Online, c'est la Manchez. Du coup voilà. Elle est plutôt stylée, j'aime bien. Première personne, je vais vous montrer. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, c'est mieux quand on est. Yeah. Voilà. Après, on a la Sanchez qu'il faut que je modifie de couleur parce qu'elle est dégueulasse. Voilà. Comme ceci. Après, on a la BF400 que bah, c'est ma moto principale en gros, j'utilise le plus. Même si la Manchez, j'utilise. Le Blazer Street, j'utilise de temps en temps. La Eligi, je la sors rarement, mais bon, voilà quoi. La 2 Codev, j'utilise pour les missions ou les trucs de genre. Du coup voilà j'ai mis les motifs verts. Après j'ai rajouté du orange aux endroits où ça allait bien. Par exemple là ça fait un dégradé. Là aussi. Et j'ai rajouté du rouge en couleur secondaire. Donc voilà. Et après le dernier véhicule qui m'a bouffé quand même 650 000 dollars, c'est le Moon Beach. Non, Moonbeam. Voilà, du coup c'est ce véhicule Lowrider. Je vous montrerai ça plus en particulier, enfin, je vous montrerai dans une vidéo à lui-même. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la présentation de mes garages. Et moi je vous dis à la télé. Voir la télé. Hein? Ouais. Monsieur Bob? Hein?